Stéphanie, j'ai eu plein de questions. Avant d'arriver ici dans nos locaux de Limonest, à côté de Lyon, nous étions à Tassin, hébergés par une société en sous-location et qui nous avait dit pour que vous évitiez d'avoir à investir, vous allez utiliser notre propre système de serveur et de téléphonie. Ils étaient en VOIP. Donc la fameuse voix sur IP avec un serveur, je crois, qui était dans le sud de la France. Et régulièrement, on avait des coupures, on avait des dysfonctionnements lourds qui pouvaient être pénalisants vis-à-vis de nos clients et en termes d'image, nous donner une image non qualitative. On s'est longtemps posé la question de est-ce qu'il faut de la téléphonie fixe ou de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, on a un réseau mobile ici qui est lacunaire, c'est-à-dire qu'en fait, on a une captation qui est relativement hétérogène dans le lieu. Quand on a emménagé, c'est que en fait notre opérateur téléphonique nous a muni de boîtiers femto. Qui nous permettent d'avoir normalement une meilleure captation, sauf qu'en fait on est beaucoup à avoir des téléphones portables et donc on sature très rapidement le boîtier femto et on doit se retrouver avec une téléphonie fixe aussi adaptée. On est parti sur de la technologie peut-être plus ancienne mais qui est le Numéris, qui est du téléphone avec le fameux fil de cuivre, en se disant on va commencer par une technologie qui est fiable, éprouvée où effectivement on a zéro problème. Et puis, quitte à passer sur la VOIP dans quelques temps, quand elle aura fait ses preuves et quand il y aura eu des perfectionnements avec l'installation de la fibre, notamment de tous les côtés. Pour la téléphonie, on a pensé les choses de la manière suivante. En fait, on a des espaces qui sont dédiés, qui sont donc en flex office. Mmh. C'est-à-dire qu'un travailleur n'a pas le même poste, n'a pas de poste fixe. Donc, par définition, il doit avoir une téléphonie qui le suit. La téléphonie fixe a été gérée en... alors c'est de la téléphonie IP, mais avec un login mot de passe. Chacun, quand il s'installe à son poste de travail, tape un code et sa ligne bascule automatiquement sur son poste. C'est un coût d'investissement qui est quand même plus élevé que de la téléphonie IP classique, puisque le flex office, c'est quelque chose que les opérateurs et les fabricants de téléphonie et de solutions téléphoniques, c'est relativement récent chez eux. Donc forcément, qui dit récent innovation dit prix, en tout cas pour une PME, c'est un coût d'investissement assez élevé par poste.